Où les ancêtres marchent aux unis, marchons unis, dans l'Orient, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci d'avoir tout trempé debout pour que nous prenions une minute de recueillement envers toutes les victimes qui tombaient dans la lutte qui a mené en dedans pays. Et surtout, mon pensée dans la Tibonite que nous tous connaissons. Quantité de monde qui tombait dernièrement, nous n'avons pas capable de fêter de bois croisés sans que nous ne saluions les mémoires. Nous prenons une minute de regret. Principalement, les agents de la MESA qui étaient tombés 7 février sous balle assassine Ariel Henry, à tout criminel qui était accompagné lui, nous avons observé une minute de regret. Et nous avons tout avocat en dedans pays, l'opposition plurielle qui vient dans la tête, Jean-Tel Joseph, nous te prenons responsabilité nous et nous continuons à prendre responsabilité. Tout journaliste qui est là, capable de servir témoin, tu as une lutte, une bataille qui t'a mené, Wanamet. Pour que nous te creusions un canal pour que nous te capables de joindre de l'eau. Le gouvernement qui était en place à l'époque qui était en tête Ariel, il a tout te mené, tout combat pour te empêcher le canal. J'entends Joseph qui était en tête. Anap, tu prends responsabilité. Et c'est un plus grand déficit qui est dans le pays. À chaque fois, un citoyen haïtien. Prends courage li à demain pour mener en bataille contre un gouvernement qui pas respecté les gens. Les batailles la fin fait, les gens qui te campent quoi pour la fête là, il y a pris feu. Et je dis à moi, je demande pour que tout le monde qui là-bas, un gros bravo pour Nek Bessapio avec Jean-Tel Joseph qui est capable de permettre de jouer un canal. Je ne bats trop long. Un bagage qui nous tête nous là aujourd'hui. Que moi journaliste, moi paysan, moi leader politique, moi la police, moi militaire, pas comprendre ça, il y a joué avec. Nous avons une grosse paix qui prend Dieu sous tête. Depuis sous Clinton, les États-Unis avec les Nations Unies a joué en combinaison pour la République Dominicaine envahir Haïti pour occuper. Je dis paysans haïtiens, spécialement matin, depuis qu'on n'a pas de responsabilité, nous ne pouvons pas guetter encore. Je promets pour nous, là, Dessalines te campé, il te dit, coupe tête, boule caille, il pas de violence. Dessalines te en position de défense légitime. Maintenant, je dis paysans haïtiens, Nabdi, si il y a haïtien encore qui n'est la police nationale. Nabdi, si il y a militaire encore qui n'est la belle Haïti. Nabdi encore, si il y a des dirigeants politiques qui ont brin, qui ont né dans le figure, je dis à la face de l'histoire. Nations Unies, surtout Américains, ils ont dit qu'ils ont fait tout ça dépendre de pour la meilleure République Dominicaine, puis les sols, Haïti. On va juste oublier. Nous, demander pour tout paysan, camper debout. J'ai un coup de faire là. J'ai habitué faire là. Fouine, manchette, coup de poudre, jamais. Nous ne pouvons pas tourner esclaves encore. Nous faisons nous trois. Nous réduisons nos grands goûts. Nous réduisons nos misères. Ils ont crasé
toutes les institutions pays là, nous camper. Mais cette fois-ci, tout ça doit être fait. Tout ça nous doit mener comme combat pour nous montrer États-Unis, pour nous montrer République Dominicaine. Ça va pas faire. Nous avons coupé avec eux. Nous avons résisté en face. Nous habitué. Nous sommes petits Jacques de Saline. Nous demandons tout haïtien conséquent. Mettez pied dans la ria 17 octobre. C'est vrai. C'est la mort de Saline. Mais de Saline va pouvoir vous graver ici. En nous montrer ça. Journaliste pour responsabilité nous. N'est qui a Xavio. Bon bagaille yo pas comprendre. Yo fait retourner scorpion pour y a piqué tête yo. Le jour que américain d'accord. Leader de mes camarades d'envahi. Pas de gang, pas de leader politique, pas de classe d'affaires, pas de pièce institution. Nous tous bral esclaves. Je dis à nous tous doué faire une entente pour nous dire jamais plus et jamais plus nous pas tourner en bas bot. Personne encore. Et qui c'est domaine, messieurs? Qui c'est domaine? Je dis à nous mettre en face nous. Nous demandons tout à ici pour responsabilité. Ça va qu'il doit faire. Très bien. Et au péril de notre vie, même si c'est opposition qui est là, seulement traité, n'a pas goûté, n'a pas bataille, jusqu'à ce que nous nous sommes. Merci à vous. N'a pas gagné. Qui a tant de stabilité pour qu'on ait un souffle dans nos tout élèves lycée qui voulait retourner l'école, dans nos paysans qui besoin de jouer un grès pour planter, dans nos mères de Sarah qui besoin de ce qu'il est avec produits dans le pays. Nous-mêmes, opposition plurielle, nous dit, nous comprenons le jeu qui fait là. Et c'est ça que fait, nous avons demandé la majorité silencieuse là, sortir dans le silence. Sinon, je dis, c'est pour une bataille politique. Je le dis, nous, messieurs, avons utilisé le discours facile et populiste. D'un coup, nous allons prendre la zone caille par caille. Bagage ça, c'est stratagème pour mettre nous dans plus de misère côté nous. Pas de changement avec Mounsao. Mounsao, pas qu'à bail résultat. Y'a pas nos approches épistémologiques. Y'a pas de dimension intellectuelle. Y'a pas de dimension politique. Et puis tout pas haïtien. CPT ça, pas CPT. Moun qui la donne pas haïtien. C'est des traites nationales. Je ne j'en dis. Nous-mêmes, nous disons, population haïtienne, sont impératifs pour nous camper, pour nous défendre la souveraineté. Bataille qui là, c'est pour bataille souveraineté. Bataille qui là, c'est pour nous capables de vivre. C'est pour si nous sommes à l'école. Eh bien, c'est ça que fait m'adresser avec toute couche dans la société haïtienne. Nous dit, présence nous important le 17. Faut que nous venions. Faut que nous venions pour ne pas voler le mouvement en amène nous. Pour nous établir le pouvoir peuple. Pour nous déchouquer CPT. Pour nous déchouquer Gaïkoni. Pour nous-mêmes qui avons l'autre paradigme, l'autre vision, l'autre intelligence, nous établir un pouvoir côté chaque grain de nous est capable de vivre et chaque grain de nous est capable de payer nous notre dimension qu'elle a donnée. Je ne veux dire, soit aberration pour nous parler de bagailles, c'est nous-mêmes. Pour nous garder les gens déportés haïtiens de sa ligne de dit, tout nec qui sentit pas qu'à vivre dans n'importe quel côté dans le monde de vie d'Haïti, c'est avec un peu de tristesse. Nous avons demandé aux haïtiens à nous mobiliser pour nous jeter cette grain là pour nous établir le pouvoir. Merci. Garçon voyant, il y a une colonne vertébrale pour nous voir dans un bref délai ça, qui ça nous capable de faire. Mais ça lie toute la presse. Parce que je dis à ça nous-mêmes, Haïti est englouti déjà. Oligarque corrompu, il fait nous connaître pour nous mettre dans l'esprit non. Et c'est ça que vous baillez. Dans l'école, les a grandi, les sons ça me nous tout connaît qui dit l'union fait la force. Mais en dedans l'union fait la force, ça sont mensonges. Nous corrompu l'esprit non. Et à chaque fois que yo me dit nous pour nous unir nous ensemble, yo est Georges, yo est Pierre indifférent dans un chambre différent. Et ça yo dit Georges, c'est pas lui-même, yo dit Pierre. Je dis à la Constitution 20 mai 1850, il fait nous connaître liberté ou l'homme. Et c'est liberté ou l'homme, ça nous doit batailler pour nous sauver la souveraineté du pays. Et si nous mettons liberté ou l'homme
Non, nous-mêmes, moun sa yo kap kouri Saint-Domingue tribobabo, yo pa dap jam kouri. Yo tap accepté pour yo mouri, pour yo défend peyi yo, pour nous dire nous son peuple même gens ensemble avec tout peuple. Je dis à l'éclair pour nous reconnaître les États-Unis qu'on jouait qu'il a joué à travers plusieurs pays, 172 pays que yo mette tête ensemble pour yo disparaître tes papa Desalines et pour yo ouvrir ga gran yo pour yo mette insécurité ça que nous wè k'ap saccager nous depuis des temps et des temps pour yo faire nous courir quitter pays ya et yo même pour capable faire ça que yo doit faire. Maintenant constitution 1987 là, c'est constitution pa yo. C'est constitution pour yo virer l'horloge nous. Je dis à nous-mêmes dans opposition plurielle, n'a dit ensemble avec population haïtienne et n'a dit ensemble avec toute diaspora. N'a dit ensemble avec toute média en ligne yo et toute média traditionnel yo, nous devons connaître comment pour nous protéger pays nous. Je dis à vent division que yo mettez dans nous-mêmes non. C'est une vente division qui pour disparaître. Vente division avec Pambi Bouan, son vente division pour disparaître. Jeudi à 17 octobre 2024, opposition depuis le commencement, aller et Gary Kony qui vient là, et Ariel Henry, nous-mêmes, nous te prenons toute disposition pour nous voyer Mounsayo aller comme un pied d'achoppement, comme un madichon pour payer. Je dis à nous que la bataille qui est lancée à lire les propositions qui sont là pour la opération pour libérer Haïti. Je dis à Nabdi ensemble avec toute organisation de base, Nabdi ensemble avec toute parti politique, Nabdi ensemble avec tout militant, ce mouvement pour nous rassembler, nous, pour nous faire un seul dans la réalité du 17 octobre. Ce n'est pas de question de Pambibon, ce n'est pas de question de ceci, ce n'est pas de question de cela, mais c'est un moment pour nous dire nous comprenons jouer blanc à jouer. Parce que blanc toujours rentrer dans toute bagaille pour diviser nous, mais si nous acceptons de prendre un coup de maltaï, ça n'a pas disparu. Bataille opposition les 17 là, et n'a pas dit diaspora. Nous-mêmes, qui avons des gens à l'étranger qui ne sont pas faits en Haïti, c'est le moment pour nous apprendre la constitution 1805 là. C'est le moment pour nous dire que c'est le moment pour nous réveiller. Parce que à chaque fois que nous avons bataille, nous-mêmes qui sommes encore grand monde, qui calé là-bas, nous ne sommes pas en de pays d'Haïti. Je dis à nous devons porter une chaîne de solidarité. Et chaîne de solidarité, ça, nous pouvons avec nous-mêmes pour nous contribuer dans la bataille qui vient pour faire journée aujourd'hui. Bataille les 17 là, ce n'est pas bataille et président Jean-Tel Joseph seulement. Ce n'est pas bataille opération pour libérer Haïti seulement. Ce n'est pas bataille de comité 100% diaspora seulement. Ce n'est pas bataille l'autre organisation. Je dis à le 17 octobre, nous avons l'ARIA, nous avons dit peuple haïtien. Moment chirépite là, il est fini. Moment division, il est fini. Moment pampi bon, il est fini. Parce que ça que nous besoin faire, nous besoin sauver l'honneur pays nous. Ça que nous besoin faire, nous besoin souveraineté pays nous. Nous besoin pays nous marcher et nèg ça qui mettez en face là pour nous mettre nous en face de une avec l'autre pour nous engloutir pays là, mais nous quoi parole là, il rete dans cœur nous et nous même jeunes journalistes on nous fait tout ça qui dépend de nous-mêmes. Et nous disons ensemble avec la police nationale là, que vous mettez comme un esclave, l'armée d'Haïti, que vous mettez comme un esclave, parce que l'armée est là pour protéger le territoire, la police nationale là, est là pour diriger et là pour protéger un peuple qui dit qu'elle n'est pas capable encore. Je dis à nous bouquet et nous demandons à la population haïtienne, mettez-vous vigilant envers la population, envers la force armée d'Haïti. Mettez-vous vigilant envers la force et police nationale. Là. Parce que je dis à Mounsayo, à chaque fois que nous prenons l'arrière, yo en continuité de Ariel Henry et il a fait travail bossio parce que son paquet de colons qui sont esclaves et vous voulez toujours être esclaves. Je dis à nous besoin des hommes capables. Nous avons besoin des hommes qui disent Haïti pas péri, même gens opposition pliée là, les camper pour le dire, il faut que nous joignions la libération du pays d'Haïti. Merci beaucoup. Nous-mêmes, c'est micro, c'est caméra qui nous montre. Campé va côté nous pour nous défendre. Ou même qui n'a pas la police. Malgré nous, goumé. Ou à goumé à droite, ou à goumé à gauche. Mais maman, papa, petit tout, toujours été dans le quartier populaire. Est-ce qu'on a compris face nous, cap goumé pour défendre nous? Nous disons non. 17 octobre, nous sortons pour nous dire, équipe conseillée dans notre pays, nous décidons pour nous tout nous pour libérer le pays.
et des femmes compétentes qui prêtent pour un engagement ça et des faits qui prennent engagement. Nous montrons la presse déjà. La dot qui a parlé de l'état d'urgence sécuritaire, que bilan, c'est plus zone territoire perdu. Nous avons dit que son bloc lié, nous pas prendre un bloc là, nous avons sorti. Mabdi, et messieurs, dames, nous comprenons ça. J'arrive qu'on est son bloc fait devant le pays éternel. Qui permet de sous des salines, nous disons que c'est représentant blanc. Je ne vais pas vous diriger là. Que mourir, que nous tous qui l'a mouru, que nous tous qui n'a combat à mourir pour nous essayer haïtien pour diriger Haïti. Même Jean, nous t'ai fait en 1915, les débarqués ont occupé le territoire. Ils ont pris la Banque nationale là, c'est comme ça, ils ont dit. Ils ont occupé les finances. Nous sommes intelligents pour nous comprendre que la finance du pays, c'est étranger qui contrôle lui. Je veux que nous comprenions, pas bon plan pour renforcer la police. Je veux que nous comprenions, pas bon plan pour renforcer l'armée. Je veux que nous comprenions, pas bon plan pour renforcer Bessa pour défendre l'environnement. Je veux que nous comprenions, pas bon plan pour sauver le quartier populaire. Plan de guerre, c'est exterminer tout le monde qui vit dans le quartier populaire. C'est 17 octobre. Employé CNE, yo révoqué nous tous. Environ 1804 employés révoqués. Yo pa konnen moun sa yo comment yo pa payer l'école petite. Yo pa konnen comment yo pral vivre. Yo pa est-ce que c'est dans gang yo voye yo. Citoyen conséquence sa yo, opposition plurielle là convoqué nous tous 17 octobre. Dans le cas où Delma 32, on a dit non à l'inacceptable. Tout haïtien qui jodi a, il y a 1 million de République Dominicaine. Nous avons 100 000, nous avons 100 000, nous avons 1 million. Et ce n'est pas faute de Dieu, c'est parce que l'État corrompu, l'État reste avec là, pas créer l'école, pas créer l'université, pas créer le travail pour les citoyens haïtiens qui sont obligés à traîner l'autre côté. Et bien, nous tous les citoyens, rejoignons-nous. Nous devons garantir, nous devons mener le combat jusqu'au bout pour nous prendre le pouvoir, pour nous créer les conditions nécessaires pour nous être capables de vivre la caille. Nous sommes capables d'annoncer au grand public et à la presse en particulier ça nous gagne comme activité. Nous jouons le 7 octobre là, qui se joue en période à tout le monde et tout le monde. Nous complotons et assassinons Jean-Jacques Dessalines. Et complotons ça, qui jusqu'à présent occupait tout espace politique féminin. Tout espace à pouvoir. Journée 17 octobre là, pour opposition plurielle là, appuyons journée historique. N'a pas fait l'histoire. Moi, je viens nous chaque qui là, rappelez-nous de l'importance. Jean-Jacques Dessalines dans l'histoire du pays. Nous tous là, nous avons chance de faire philo. Mais nous prenons le temps pour nous étudier l'idéal de Dessalines. Nous comprenons. Nous avons dit que M. Sarr, c'est ton rêveur. M. Sarr, c'est ton visionnaire. Monsieur ça, c'est un nègre. Bien que depuis 1804, l'idée lio de traverser les frontières. Je dis, moi fier en tant que descendant de Dessalines, haïtien, pour me dire, Dessalines, c'était le père des Panélor.
c'était seul garçon qui était campé comme monde, comme dirigeant, pour te dire, quel que soit côté ou sous la terre ou yo esclave, et pour entrer à Haïti ou libre. Quel que soit côté ou sous la terre ou esclave, de pour Haïti ou libre. Je dis, il n'est plus. C'est nous là, moi-même, nous-mêmes, nous tous qui là, c'est nous qui représentons. Et nous faites pour fiers, pour nous camper. Un digne héritier de Jean-Jacques Dessalines, pour nous continuer à défendre l'idéal Lio, pour nous continuer à camper en rempart contre tout bronzé, contre tout comploté qui choisit pour Haïti pas faire un pas Ita, un pas Nago pour montrer nous-mêmes. Nous pas dire pour nos peuples. Et pour raison ça, nous autres de l'opposition plurielle, nous l'ajoutons. Nous venons dire à grand public là que 17 octobre, nous avons fait une journée spéciale Papa non, pour Papa Nation. Dans la matinée du 7 octobre. À 7h du matin, nous invitons le grand public, la presse en général, dans une messe spéciale qui n'a pas organisé pour Papa Nation. Pour garçon, garçon qui est une nation, ça a l'essence. Mais ça, l'a suivi de un télé-homme qui a fait dans l'église Christoire. À 7h. À 10h, la population en général nous invite pour fouler béton. Quel que soit côté sous terre, ou fouler béton comme garçon, comme femme. Moi-même, chaque jour, je dois sortir dans le ciel. Je regarde l'humiliation que frère, que sœur, que frère, que sœur, sami, cousin, cousine, à vivre ce domaine. Ce n'est pas pour ça que ça vient de moi. Non! Je dis un bafle. On a dit, c'est politicien qui a défendu des intérêts personnels, des intérêts de groupe. Je dis à son question de Haïti qui envoie des disparitions. Yes. Son question de Haïti qui est au bord de l'abîme. Tous les nationaux, tous les citoyens haïtiens, toutes les citoyennes haïtiennes, vous êtes campés debout, premièrement, pour nous boumer contre congé. Mais c'est nous qui nous avons congé. Congé, c'est Gary pour nous. Qui pas honte comme un haïtien. Qui vient représenter le système qui a dominé. Les gens qui ont réduit nous en esclave. C'est yo qui je dis, vient prendre responsabilité que yo dit, yo ka met l'ordre, yo ka met sécurité dans le pays. Yo ka fait haïtien revivre à l'agent qu'on y est dans le temps. Et pour le travail, pour le progrès social, progrès économique, progrès politique. Et qui connaît bien, c'est péter ou venir péter. Nous avons besoin des haïtiens pour camper dans la figure à la manière de nous autres de l'opposition plurielle. Pour dire non, nous ne pas accepter qu'on se permette de venir dans le pays encore. Non, 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 pas d'accord. Non, pas d'accord. Qui s'en trouve comme? Nous n'avons pas besoin d'esclaves des champs. Aucun esclave des champs. Forcez-nous être la caille nous. Faut nous sortir pour nous tirer sur nous. Pour nous mourir. Pour le bien de la patrie. Pour la fierté de nos ancêtres. C'est ça. À qui ça s'aïdit moi? Pour m'a vivre. Pour m'a manger. Pour me sentir bien.
pendant que frère nous a dormi à la belle étoile. À qui ça s'habitue? Pour être fier pour nous ces journalistes, pour nous ces leaders politiques, pour nous ces blocs des avocats, pour tous ces prêtres, pour ces ingénieurs, pour ces étudiants, pour peuple pour vivre dans la classe. Pas possible, pas possible. Est-ce qu'on doit vivre comme ça? Inacceptable. Non, je veux dire, c'est tout haïtien, généralement quelconque, qui invite dans un grand combat pour libérer Haïti. Et ça nous connaît. Au début de 1803, tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes étaient des soldats. Est-ce que nous rappelons ça? Au début de 1803, toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens étaient des nationaux, des défenseurs de la souveraineté, des défenseurs pour l'indépendance. Je veux dire, nous autres, nous voulons, nous voulons que tout Haïtien, généralement quelconque, nous sommes des soldats, nous sommes des défenseurs de la souveraineté nationale. Nous connaissons, conseillers, employés CARICOM, contractuels, sous-sous, yodi, 17 octobre, ça y'a pas assassiné, y'a pas arrêté, ça y'a pas arrêté, y'a pas mettre dans le cachet, ton éclasé, nous mangez le peuple là. Mais quel que soit l'horizon qu'il y ait, ou dans le quartier populaire, nous sommes sous béton. Ou dans la grande ville, nous sommes sous béton. Ou ces policiers ou en congé, nous sommes sous béton. Ou ces militaires ou en congé, nous sommes sous béton. Ou ces BESAP ou en congé, nous sommes sous béton. Ou ces journalistes, juste au bas de travail, nous soumettons parce que la défense de la souveraineté nationale, c'est une obligation pour chaque grain haïtien.